Et bonjour, bonjour. Et c'est une émission surprise avec... Euh, bah je vais être toute seule ce soir parce que j'ai prévenu Pélage un petit peu en retard. Et il se trouve que c'est comme ça. Des fois, dans la vie, on se dit, oh, non, non, ce n'était pas préparé. Et en fait, c'est pas grave, on y va quand même. Et en plus, c'est quelqu'un, ce soir, je vais vous présenter quelqu'un. Euh, je l'ai rencontré euh, sans le rencontrer en fait euh, l'année dernière, l'été dernier, puisque j'ai vu une exposition de ce monsieur. Et puis ensuite, quelqu'un me parle de lui, je me dis c'est bizarre, je connais ce nom mais je sais pas quoi. Et en fait, je, je m'aperçois qu'il a un lien avec les Outre-mer. Alors évidemment, quand les îles se rencontrent, c'est l'émission qui donne la parole aux ultramarins. Et c'est aussi un ultramarin dans son genre. Donc je vous propose de l'accueillir. Salut Greg, ça va Grégory, t'as mis Greg mais c'est Grégory. C'est ça. Oui. Bonjour. Ça va. Oui. Alors, on en t'entend très très peu. Est-ce que tu peux monter un petit peu encore ton micro C'est mieux. Est-ce que c'est ouais. mieux Vas-y. Ça devrait aller. Donc, Grégory, tu es un photographe voyageur et tu, es, tu as des liens avec euh, les autres pairs parce que la première fois que je t'ai invité, tu es allé rentrer même dans la forêt guyanaise à la recherche de je ne sais quoi. Tu vas pouvoir nous raconter ça. Euh, mais au départ, tu es plutôt breton. Oui, je suis, je suis breton complètement même. Mais c'est vrai que déjà j'ai vécu Outre-mer quand j'étais jeune. Et, et après, je, je suis aussi allé Outre-mer avec mon ancien métier qui était, qui était marin de la marine nationale. Et puis j'ai continué parce que j'ai un, un vrai attachement avec les Outre-mer et les territoires français, entre autres. Voilà, c'est ça. Et donc, quand on est, par exemple, quand on va en Polynésie, on dit qu'on est piqué au tiarae. Donc toi, tu as été. Et une fois qu'on est piqué au tiarae, ben voilà, on reste amoureux de la région euh, toute sa vie. Donc toi, euh, qu'est-ce qui t'a plu justement dans les outre-mer C'est quoi le, le souvenir fort qui a fait que tu t'es dit waouh, quel, quel endroit où tiens j'ai envie d'y revenir ou tiens c'est un endroit qui m'intéresse, j'ai envie de creuser un petit peu. Ouais, il y en a eu plusieurs, mais c'est vrai que le, au tout début, le plus marquant, c'était quand je vivais en Nouvelle-Calédonie euh, avec mes parents. Euh, J'étais adolescent, donc euh, c'était euh, quand même exceptionnel. On était à Bourail et euh, à cette époque-là, il bah, n'y avait pas encore beaucoup de monde à Bouraille. Alors, je sais que ça a changé un peu, mais euh, voilà, pour aller à… Oui, parce à que la... là, tu parles de quelle année, c'était en quelle Là, on est dans les années 87-88 hein, quand même. Ah oui <laughs> Et euh, ce qui fait que déjà, pour aller à la plage de la Roche-Percée ou à, à Poé, il n'y avait, avait pas de goudron, c'était de la piste. Et euh, voilà, je sais que ça a changé. Et euh, et Parce euh, que moi, je suis retourné à la Roche-Percée et à Poé, ça devait être dans les années 2000 et il y avait déjà une route. Hein. Oui, alors moi, il, il commençait, hein, il commençait à travailler ouais, dessus. Ouais. Mais, mais voilà, donc et, euh, et je m'étais dit que j'étais euh, vraiment euh, bien euh, sous ce type de latitude avec euh, pouvoir se mettre euh, dans l'eau euh, tout, toute l'année, si on est voilà, euh, à mettre le masque, le tuba, euh, aller voir les poissons, les coraux, etc. Surfer aussi à La rouge percée justement, c'était vraiment quelque chose de, 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 de vraiment de vraiment sympa. Et puis je m'étais dit que en fait j'étais fait pour vivre outre-mer. Et euh, j'avais vécu à l'île de la Réunion aussi trois ans avec mes parents plus tôt. Euh, encore un peu plus jeune, donc j'ai pas forcément beaucoup de souvenirs, mais de, des petits flashs. Et puis, euh, et après, bah, la Guyane aussi. Et, euh, et après, c'est mon métier de marin. Voilà, J'ai choisi aussi un petit peu ce métier-là pour, euh, pour aller un petit peu à l'aventure. Et puis, euh, je sais qu'avec euh, le métier que j'avais choisi dans la marine nationale, donc plongeur, navigateur, il y avait des possibilités de, de repartir outre-mer. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai eu deux séjours de deux ans à, à Tahiti. Et euh, un séjour de trois ans à Saint-Pierre et Miquelon. Voilà, là on n'était plus sous les mêmes latitudes, mais c'était toujours quelque chose de, de, de sympa. À ah, moins que je me trompe, tu n'as pas fait de livre de photographie sur la Polynésie. En revanche, tu en as fait sur Saint-Pierre et Miquelon. Tu es d'ailleurs un ambassadeur de, de, de Saint-Pierre et Miquelon. Oui, ambassadeur fier, Saint-Pierre et Miquelon, effectivement, avec d'autres, bien sûr. Oui, oui. Et euh, non, Tahiti, non euh... Bah déjà parce que euh, parce que je faisais essentiellement de la photo sous-marine à ce moment-là en Polynésie et euh, c'est après que tout le, le reste est venu mmh. euh, c'est-à-dire que c'est après que je me suis intéressé au reste euh, au, dans, aux autres domaines de la photographie et euh, le, le tu simple dis autre domaine c'est-à-dire pas forcément que la photo sous-marine donc ça peut être euh, okay. les, les paysages les animaux terrestres les oiseaux les euh, les, les, les humains et, euh, et voilà, donc je tâtonnais encore un petit peu à l'époque où j'étais en Polynésie. C'est aussi pour ça que je n'avais pas les capacités de faire un livre. Mais pour mmh. papa, maintenant si jamais je retournais, on verra bien. Mais ce métier de photographe, tu l'as appris quand tu étais militaire, ou c'est une passion qui est devenue aujourd'hui un métier C'est une passion qui est devenue un métier, mais en fait, c'est quand même plusieurs concours de circonstances. C'est-à-dire, que c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis tout petit. Euh, je rêvais d'être un explorateur, je rêvais d'aller voir le monde. Euh, je, justement, le, la photographie sous-marine, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Quand je voyais les documentaires de, de Jacques-Yves Cousteau sur la Calypso, des choses comme ça, vraiment, ça me faisait rêver, comme ça faisait rêver beaucoup de monde à, à cette époque-là, d'ailleurs. Euh, mais bon, voilà, c'était un peu compliqué quand même, de, à 12 ans, de se dire que dans 7-8 ans, je pourrais être sur sur la calypso à sillonner le Monde. Donc ça ne s'est pas fait. Mais euh, mais voilà, j'ai choisi un, une autre voie. Je suis entré dans la Marine nationale. Et j'ai, d'une certaine manière, j'ai commencé à voyager aussi, voguer aussi sur les eaux, les océans. Et, euh, et puis je suis devenu plongeur dans la Marine nationale. Donc quelque part, j'ai fait des choses un petit peu intéressantes. Et euh, j'ai eu des cours euh, aussi de photographie, mais plus d'expertise. Euh, à l'école de plongée de, de la Marine nationale à Saint-Mandrier en tant que plongeur militaire du coup et euh, surtout je me suis intéressé euh, à part et puis j'ai rencontré des gens euh, des personnes très intéressantes qui m'ont initié qui m'ont donné des conseils et puis au fur et à mesure maintenant en plus avec les avec internet et tout ça on a aussi allé chercher euh, chercher des informations j'ai suivi des cours euh, de, de photographie aussi des formations euh, en parallèle de mon travail euh, une initiation aussi, pareil, fin des, des cours euh, de portrait chez Harcourt à Paris. Mm -hmm. et, euh, et voilà, j'ai toujours. Qu'est-ce qui a de... été le plus difficile ju justement dans l'apprentissage de ce métier Parce qu'on dit qu'un photographe, ben, il va avoir un, un œil comme ça, il va, il va avoir un regard. Il y a, il y a les cours, mais finalement, il y a le, le talent de, de, de voir une chose et de se dire, ben voilà, c'est ça que je veux montrer et je veux le montrer comme ça et pas autrement. Donc. Euh, ça, on ne l'apprend pas en cours ici si Non, effectivement. Euh, bah si, enfin, il y en a qui l'apprennent. Oui. Maintenant, je ne sais pas si ça marche bien ou pas. Mais euh, en tout cas, je n'ai pas eu de, de cette difficulté-là de l'œil, parce que justement, on a chacun notre propre regard. Et, euh, et euh, du coup, on, on va essayer euh, au départ de, de représenter les choses comme on peut. Comment on les sent, comment on les voit, et c'est là, par contre, qu'il y a une autre difficulté qui peut arriver, c'est le côté technique, c'est-à-dire que on sait ce qu'on veut montrer, mais comment le faire, hein voilà. Comment y arriver, quoi. Comment y arriver, ouais. voilà. Euh, nombre, nombre de personnes euh, voient un paysage, par exemple, vont faire la photo, et euh, quand ils vont regarder la photo qu'ils ont prise, ils vont dire, Ouah, non, c'est pas ça que je voulais montrer. Oui, ça. Voilà. <laughs> ben, moi, par exemple, <laughs> des fois, je me dis, Ouah, c'est magnifique, je vais faire la photo. Ah, mais ça ne rend pas comme, comme je, je pensais. Ouais. Ben, c'est ça, mais c'est normal. Et, euh, et c'est là, là que ça devient intéressant aussi. Ouais. Sinon, euh, tout le monde ferait des cartes postales, par exemple. Euh, et, euh, et voilà, après, on va, chercher, euh, on va chercher une histoire aussi dans la photo. -ce que, ouais. Si on met cinq photographes qui se débrouillent bien euh, techniquement, qui ont, ont l'habitude de faire des images de, de paysages, de faire des expositions, si on met les cinq mêmes photographes au même endroit, Uh, ils ne vont pas forcément faire exactement les mêmes images. Uh, bah, il va y avoir des similitudes de sujets, bien sûr. Ouais. Mais ils ne vont pas faire la même chose. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, c'est ça. Et alors, toi, ta particularité de photographe, c'est que tu as derrière tes photos un message très, très important. C'est la préservation de la biodiversité. Oui, alors ça, c'est venu au fur et à mesure. Euh, au tout départ, quand je faisais de la photo sous-marine, c'était... Euh... Euh, je voulais aller voir le monde euh, déjà au tout départ, et en plus sous l'eau, je voulais aller voir le monde sous-marin. Donc, je voulais euh, ramener des souvenirs du fond, des, des, remonter, des, remonter des images pour les montrer à des gens qui n'avaient pas l'occasion d'aller sous l'eau justement. Oui. Et au fur et à mesure, bah, je me suis rendu compte qu'il y, y avait des choses qui étaient, qui étaient fragiles, euh, qu'on a l'impact humain était très très fort euh, sur, sur la planète. Et euh... Quand tu dis impact humain, c'était quoi Par exemple, lors de plongée, tu pouvais voir des déchets euh, sous l'eau ou c'était euh, autre chose Ah oui, chose ça c'est enfin, même. Euh, Je n'y pense même plus parce que c'est tellement euh, une évidence euh, en Polynésie française, beaucoup, entre autres, malheureusement. Oui, oui. Euh, mais, mais tu euh... sais que même euh, à Mururoi, euh, où il y a eu des essais. Il y a un verbe qui a été inventé, c'était lagonner. Donc tout ce qu'on voulait pas, on bon. mettait dans le lagon. Bon, entre fait. temps, ils ont normalement euh, tout nettoyé au départ, mais, mais c'est vrai que voilà, on voit pas puisque c'est sous l'eau. Donc on jette. J'ai fait, euh, fait quatre, quatre missions à me voir en ouais. <rire> <Mais> <rire> revoir en tant que plongeur. Mais je ne pensais pas. Euh... Euh, forcément, à Mururoa, je pensais à d'autres atolls ouais. plus euh, paradisiaques, on va dire, ouais. Ouais. avec les, des barquettes de plastique, euh, des choses comme ça. Mais c'est pas que en Polynésie, hein, ouais. c'est ouais. partout sur la planète. Bah, tu parlais et, euh... de Saint-Mandrier euh, tout à l'heure, mais euh, voilà, toute la côte, de, euh, la côte euh, du sud, hein, la côte d'Azur et, et tout le sud de la France, euh, tous les plongeurs le disent. C'est même dans des endroits qui, 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 qui semblent préservés, il y a euh, tout un tas de déchets. Ouais. Oui, puis il y a ce qu'on voit, puisqu'on ne voit pas. Donc il y a des déchets aussi, mais, mais enfin, en tout cas, moi, surtout, euh, mon, mon travail, c'est plutôt vraiment sur la, la destruction de, des animaux. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup actuellement de réchauffement climatique, euh, etc. Ce qui est une chose euh, vraie. Hein, euh, voilà, il faudrait presque être fou pour dire que ça, ce n'est pas en train d'arriver. Euh, mais euh, moi, ce que j'essaye d'accentuer, euh, en tout cas, ce sur quoi j'appuie, c'est vraiment l'impact direct euh, humain sur, euh, sur l'animal. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui disparaissent au fur et à mesure, qui sont en danger. Pas que parce que la planète se réchauffe, mais simplement parce qu'on on les élimine d'une certaine façon, de plusieurs manières possibles, et on détruit leur milieu. Oui. Et, euh, et voilà, ça, on sait très bien, c'est plus... Euh, euh, c'est plus une, une prédiction sur l'avenir. On sait très bien qu'il y a de nombreuses euh, espèces qu'on aura difficilement euh, la chance de voir plus tard. Et on sait aussi qu'en termes de nombre euh, d'animaux sur la planète, euh, ça a fortement, fortement diminué. Alors, je ne suis pas un champion des statistiques et des, des pourcentages. Donc, je vais reprendre ce que j'ai déjà entendu, mais on sait déjà qu'il y a à peu près 50% de la population animale qui a déjà disparu. Et ça, ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas une prévision. 50%, tu dis Voilà. Alors, ce n'est pas forcément 50% des espèces, c'est 50% oui. des animaux. Voilà. En tout cas, c'est ce qui se dit. Maintenant… Euh... Ouais, énorme. C'est oui. énorme. Et puis, alors après, tant qu'une espèce n'a pas complètement disparu, on ne se rend pas vraiment compte. Maintenant, ça arrive il y a des espèces qu'on ne voit plus. Et euh, là, dans le livre que je réédite sur Saint-Pierre et Miquelon, je parle du petit pingouin. Le petit pingouin, c'est le guillemot torda euh, qui vit dans l'hémisphère nord. Hein, donc, euh, bon, il y en a à Saint-Pierre-Miquelon, mais il y en a en Bretagne, enfin, il y en a à d'autres endroits. Et euh, le guillemot torda est appelé le petit pingouin par opposition au grand pingouin, qui lui était un manchot qui vivait dans l'hémisphère nord, mais qui lui a été totalement détruit. Bon, il reste des traces de cet oiseau-là empaillé, naturalisé. Ça, c'est une vraie trace, en fait face de, de, c'est une vraie preuve de la destruction d'une espèce animale, euh, à la fois par l'être humain et aussi à la fois par le fait qu'ils. Bah, ouais. C'est un oiseau qui ne pouvait pas voler, donc en fait, on pouvait le chasser. Euh... Un peu comme le dodo, quoi. Dans... Voilà, exactement. Sauf que. C'est le... dans ce livre-là, c'est ça Non, c'est pas dans celui-là. Ah, c'est dans donc, un autre, OK. Voilà, ça, c'est ça, c'est l'expérience euh, aux éditions Mon notre okay. France. Il euh, y a peut-être des photos, je ne me souviens plus, il y a peut-être des, des photos de, de Guimau Torda. De, de petit alors maman. non, justement, je regardais là-dessus. Mais je n'en parle Guimauda. pas en tout cas dans ce livre. C'est oui. dans le livre qui est réédité aux éditions Vilo, là, qui, est, qui sort de l'impression là d'ailleurs, hum. euh, où j'ai cette anecdote-là, j'en parle. Donc euh, là, on a une preuve, une vraie preuve, on en a entre les mains de ces animaux qui ont disparu. Voilà. Moi, c'est ça, 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 un... quelque chose que tu te dis, il faut que je fasse quelque chose. Enfin, j'ai une mission. Tu te donnes cette mission de, 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 de peut-être euh, euh, faire par l'image, se rendre compte aux gens de l'importance de, 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 de bah, que la biodiversité, que les animaux sont aussi importants que le, les êtres humains. Alors, j ai, j ai pas, au départ, je n'ai pas cette… Euh... Cette volonté, ou en tout cas, ou presque cette prétention, c'est que, euh, au fur et à mesure de, 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 de mes travaux, euh, mes images ont servi à d'autres. Voilà, mmh. c'est surtout ça au départ. Euh, ça a servi d'illustration, des choses comme ça. Et puis, euh, au fur et à mesure, ben, en rencontrant les gens qui étaient intéressés par, par mon travail, qui s'en servaient, euh, ben, je me suis aussi appro finalement approprié un propre message, mon propre, mon propre message mais ça s'est fait euh, au fur et à mesure. Oui, voilà. naturellement. Tu n'es voilà. pas, pas ouais. parti tout de suite avec ton non. sac à dos en te disant, voilà, j'ai envie d'être de, de, un peu un, un, un montreur, un ouvreur de chemin. Quel, voilà. Ouais. voilà, non, pas du tout. Moi, ce que je voulais, c'est voir le monde, et toujours, hein, d'ailleurs. Mais euh, <laughs> voilà mais en allant voir le monde, on voit aussi ce qui est fragile. Et, euh, et euh, même si actuellement, c'est vrai qu'on aime bien euh, prêter euh, des messages, justement, à, à des photographes nature, animaliers. Euh, si je dis que je suis passionné par la biodiversité, que c'est fragile, euh, beaucoup de gens vont me dire Mais alors pourquoi tu voyages Parce qu'on parle de réchauffement climatique, on parle de, de, de l'impact carbone. J'ai ma réponse, hein, je sais pourquoi je voyage. Alors <laughs> justement, dit... qu'est-ce que tu leur réponds ben, Justement, c'est que déjà, moi, je ne je me, je suis pas, je me fais pas ambassadeur de la lutte climatique. Euh, comme je le dis, je suis vraiment, euh, même si je fais attention, attention, hein, euh, j'essaie de limiter mon impact, bien sûr, mais euh, j'espère que mon message a plus, au final, mon message personnel a plus d'impact que mon impact carbone personnel aussi. Mais euh, en allant voyager, en voyageant, euh, la photographie sert de témoignage. Oui. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on ne sait pas si on n'y va pas. C'est ça. Euh, on parle souvent de l'ours polaire. Justement, on parle de réchauffement climatique qui, se, qui, me, qui modifie un petit peu ses habitudes, etc. Mais au final, si plus personne ne va voir l'ours polaire, alors il faut le faire bien, il hein, ne faut pas y mmh. aller avec des paquebots et puis débarquer 300 touristes d'un seul coup sur la banquise. Euh, on n'en est pas loin hein, pour certains, dans, mmh. dans certains cas. Mais en fait, si on ne va plus voir l'ours polaire, si on n'en parle plus, si on le laisse peinard comme beaucoup de gens veulent dire mmh. ou aiment, aiment à dire, et eh bien en fait, il n'y en aura plus non plus parce qu'au final, il n'est moins d'ours polaires que l'homme en tue. Mmh. Alors, je sais pas si c'est très clair. Mais pourquoi on le tue, nous, en fait quand... Mais parce qu'il y a encore des, des populations qui, euh, qui, euh, qui ont le droit de le, le tuer, on n'en parle pas beaucoup. Euh... Mais, mais, oui, mais ces populations-là, c'est les populations qui s'en sont, qui sont, servent pour en manger, peut-être, c'est pas eux. les. Non, ils ne le, le mangent pas, c'est euh, ah. euh, du trophée, par exemple. Ah, d'accord. Euh, c'est mais... un exemple, hein, euh, oui. Voilà, mais c'est juste un exemple par, parmi d'autres. Oui. Euh, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, s'il y a des endroits, euh, si plus personne ne va dans certains endroits, on ne voit pas forcément ce qui s'y passe. Oui, c'est On euh, va pas faire attention et on va se dire, ah mince, tiens, il n'y en a plus. Quoi. Oui. Voilà, mais c'est valable sur plein d'endroits de la planète. Hum. Donc voilà, on moi, moi... quelques moi, photos moi. que tu as faites au, à Saint-Pierre. C'est ça, ouais, tout à fait. C'est euh, l'isme. Ouais, on n'est pas loin de, de l'anse du gouvernement. Ça, c'était juste après euh, le, les restes d'un un cyclone, d'une tempête tropicale, du coup, qui a touché Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est pourtant à la même latitude que Nantes. Et ah ouais. euh, du coup, il y a eu beaucoup de vent, mais euh, ça, ça, ça a renforcé aussi cette érosion. Et, euh, et, et là, pour le coup… Il n'était pas là, normalement, euh, comme ça, c'est ça Je n'ai pas, pas compris, pardon. C est, c est, cette dune que l'on voit normalement elle n'est pas comme ça elle est beaucoup plus il euh, y, ben, y a beaucoup elle, plus de végétation dessus normalement c'est l'effet le, cyclone qui l'a rendu comme ça c'est ça non l'effet cyclone surtout, a surtout un peu creusé a un peu plus marqué la dune ce, euh, cette semaine là mais euh, non par contre ce qui est euh, quelque chose de flagrant maintenant à Saint-Pierre-et-Miquelon euh, c'est que le, le réchauffement climatique pour le coup euh, a un impact certain sur l'archipel, sur, euh, faune, sur, sur deux choses. La première, c'est que là, justement, on a la photo de l'Isme. Euh, je ne sais pas si on a une autre où on, on le voit mieux. Oh, euh, bah, ça, c'est sur l'Isme aussi. Bah, justement, ça, c'est sur l'Isme en hiver. Oui. Donc euh, là, il y, y a les chevaux et il y a de la neige. Et il euh, y a de moins en moins de neige, en fait, à Saint-Pierre-et-Miquelon hiver. Et cette neige se formait en glace et créait comme une carapace de glace sur, euh, sur cette dune et, euh, et du coup euh, la protégeait des impacts euh, de, de l'océan ah et, oui, euh, et du fait du réchauffement il n'y a plus cette protection voilà donc ça s'érode encore plus et d'ailleurs il n'y a pas encore si longtemps la seule route hein, qui relie euh, l'Anglade à Miquelon était, était coupée et euh, bon, bah, les gens faisaient, faisaient autrement pour y aller mais euh, voilà c'est cool. ouais, au même endroit alors là, c'est plus au même endroit. Là, on est à Saint-Pierre, mais euh, presque au fond à gauche, tout à gauche de la photo, on commence un peu à, à voir le, le quartier des Graves. Et euh, c'est un endroit qui est euh, quasiment au niveau de la mer, voire même euh, parfois, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être même au niveau de la mer ou juste un petit peu en dessous. Et euh, c'est pas le réchauffement climatique va se poser à un moment donné. Avec on n'y pense pas d'ailleurs. On ne pense pas que Saint-Pierre et Miquelon pourraient être touchés. On pense par exemple aux îles à des îles un petit peu plus tropicales. Euh, oui, 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 mais oui. Oui. mais c'est justement, il y a de plus en plus de gens qui, qui prennent conscience de tout ça parce qu'on parle du réchauffement climatique en Arctique, en Antarctique. Mais bon, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est à la même latitude que Nantes, mais c'est pas le même climat effectivement qu'en Bretagne. Mais au Kenya, au Kenya, le réchauffement climatique se, se, se fait sentir. On a, enfin, il y a des bouleversements partout. Ouais. Euh, en Guyane, comme j'y étais euh, il y a encore pas très longtemps, il y a eu euh, juste avant euh, en, euh, alors là j'étais là le, le, le mois dernier, mais quand j'étais en octobre, euh, ils n'avaient quasiment pas eu de pluie depuis trois semaines, alors que c'est la saison des pluies. Il y a plein de choses en fait qui, euh, qui vont arriver. Et pas nous y qui sommes en, temps, en Bretagne, l'été dernier, on était en, en alerte sécheresse, ce qui est quand même impensable en Bretagne. Donc on, on s'aperçoit bien effectivement où que l'on soit sur la planète, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Ça, c'est évident. Hein. Ah oui oui bah ça il y, y a des choses qui sont oui, qui sont vraiment en train de changer de, fa de façon euh, flagrante après voilà moi je suis pas un climatologue je suis pas un, je suis, pas ouais, euh, voilà, je suis pas un biologiste de formation je suis un photographe euh, et puis j'essaie de voilà de, de, de ramener des, des, des images qui peuvent, qui peuvent montrer certaines choses et puis si ça peut aider euh, des personnes plus, euh, plus euh, instruites dans ce domaine bah, tant mieux <laughs> Là, là euh, je, je me permets de rester encore un peu sur l'album de Saint-Pierre et Miquelon. Euh, que, pour, comment tu es devenu ambassadeur Ce n'est pas parce que tu as pris des photos, il doit y avoir autre chose derrière. Ou tu vois, c est, c est, tu peux nous raconter l'histoire de ça euh, Oui, euh, bah, euh, c'est quand même beaucoup lié à la photo. Hein. Oui. Euh, les ambassadeurs euh, fiers Saint-Pierre et Miquelon sont des des gens soit de l'archipel soit des gens extérieurs à l'archipel mais qui avec leur, leur travail ou leur passion mettent en valeur l'archipel donc ouais. ça peut être des photographes ça peut être des écrivains il y a, y a d'autres façons de, de l'être là euh... tu, tu es contacté de ce fait par quoi le, 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 le maire, le, le préfet euh, on te contacte et on te dit ben, Grégory tes photos de saint pierre et sont tellement belles on décide de te faire ambassadeur <laughs> alors non je rigole parce que c'est petit saint pierre donc non c'est pas le préfet ni le maire donc ça dépend de la collectivité territoriale donc le président euh, et c'est euh, c'est euh, Archipel développement donc euh, qui est euh, dirigé par Marie-Laure Lemoine et euh, qui dépend donc du coup du conseil territorial et, euh, et c'est comme cette ça cette photo où, est euh, magnifique parce que on voit bien que l'hiver euh, a l'air rude, mais il y a une douceur dans les couleurs des bâtiments. Euh, il y a des, de toutes les couleurs. C'est extraordinaire aussi. Ouais. Bah, euh, moi, moi, je ne connais euh, pas hein, du tout. Hein. Bah, moi, je l'aime bien, c'est effectivement cette photo parce que euh, c'est un endroit euh, très accessible. Hein, je suis, euh, je suis à un point de vue. Euh, alors, là, tout de suite, j'ai peur de dire une bêtise, mais. Euh, ce n'est pas le, le, le belvédère, mais euh, c'est un point de vue en fait où on peut se garer et, et on peut prendre la photo euh, de, la, de, de la ville d'ici. Donc on a très souvent l'occasion d'y aller. Euh, moi j'y suis allé souvent, mais euh, à Saint-Pierre-Miquelon, euh, comme on parle de Saint-Pierre, euh, les couleurs changent très vite. Et, euh, et là en fait, euh, et la météo était aussi très pointue. Et là en fait, ce que, quand j'explique un petit peu cette photo. C'est qu'on voit le ciel un, un petit peu différent. On a même presque l'impression que l'horizon n'est pas droit. Oui. Mais en réalité, ce sont de, des grains de neige qui arrivent. C'est la tempête qui arrive. Et, euh, et avec euh, un ami météorologue qui, malheureusement, est décédé, Patrick Bouez, on était très en contact. Et euh, on arrivait, euh, il arrivait à me dire, bah, par exemple, à 10h35, entre 10h35 et 10h40, la neige la arrive. Météo, elle sera comme ça! <laughs> Et du coup, bah, ben... je vais me positionner aux endroits que, que, que je souhaitais. Ah ouais, c'est euh... sympa cette collaboration. Tu as d'autres météorolo... copains météorologues comme ça sur la planète qui te, qui te préviennent aussi ou euh, c'était particulier là, non. ici Non, là c'était aussi particulier là-bas parce que, euh, parce que euh, Patrick était aussi un, un super photographe, donc il y avait aussi mmh. cette passion. On allait souvent euh, faire des photos ensemble il euh, y avait vraiment il y avait vraiment ça puis après l'archipel est petit les gens se connaissent il ouais. y, y a beaucoup de communication entre les, les habitants donc ouais. euh, ça c'est quelque chose euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé que j'ai trouvé sympa ça c'est ouais, vraiment vraiment chouette hein. c'est euh, et ouais, quand j'ai vu tes photos je me dis mais waouh qu'est-ce que c'est beau et euh, nous cette émission normalement je la coanime avec euh, un copain qui est euh, des Antilles donc moi je suis d'origine bretonne et tahitienne et ensemble on s'était dit il faudrait qu'on fasse une émission pour donner la parole aux ultramarins. Et ma mère, quand j'avais quitté Tahiti, elle m'avait dit, tu sais, alors à Tahiti, je ne sais pas si tu te rappelles, mais si tu as déjà rencontré des familles tahitiennes, en général, les mamans appellent leur enfant bébé toute la vie. Hein. Donc, ma, à mon âge, ma, ma, ma mère me dit, bébé, il faut absolument que tu parles des Outre-mer parce qu'on n'est pas assez… Euh, on ne parle pas assez de nous, on n'est pas assez entendu. Donc, voilà, régulièrement, on fait des émissions comme ça le, le vendredi ensemble. Et, euh, et c'est toujours euh, chouette de rencontrer euh, des gens euh, divers, de, de divers horizons comme ça. Et quand j'ai vu euh, que tu t'intéressais aux autres vins, je me suis dit « mais euh, merveilleux !» parce qu'évidemment, on est toujours à la recherche de, de nouveaux invités. Euh, donc là, on, est, on a passé un petit peu de temps à, à Saint-Pierre. Tu disais qu'il y a peu de temps, tu étais en Guyane. En Guyane, pourquoi tu as choisi euh, d'aller en Guyane C'était pour une mission précise. Oui, alors là, j'étais en Guyane encore euh, en mars. Donc, j'étais en octobre, j'étais en mars. J'y retournerai au moins une troisième fois. Euh, là, c'est pour un projet personnel, euh, qui euh, au, au départ, un projet personnel euh, que j'ai intitulé euh, Guyane Sentinelle de la Forêt. Voilà, on euh, te oui. voit en Sentinelle. Ouais, voilà. <laughs> Guyane Sentinelle de la Forêt. Donc, là, c'est euh, vraiment une mise en valeur de la biodiversité euh, exceptionnelle euh, qu'on peut trouver en Guyane. Et euh, mais surtout euh, enfin pas surtout mais, et en plus euh, une mise en, en lumière des gens euh, qui oeuvrent pour la préservation de cette biodiversité mmh. ou qui ont décidé de, de vivre proche de la nature ou, euh, ou qui souhaitent renouer avec la nature. Donc, et c'est ces gens là que euh, je nomme moi dans mon, dans mon projet Sentinelle de la forêt. Donc ça oui, va Dailleurs euh, ils ont, euh, voilà on le voit ici, il hein, y a une, une page aussi, euh, Guyane voilà. Sentinelle de la forêt avec euh, Grégory Paul. Donc, quand tu les accompagnes, c'est pour montrer justement ce euh, leur environnement, ce, là où ils vivent, ce qu'ils font Alors, je ne les accompagne pas, hein. je, vais, euh, je ah. vais les voir. Hein. Ouais. Euh, je vais les voir. En fait, euh, au départ, il y a une enquête euh, personnelle donc, qui est la recherche du jaguar guyanais, hum. parce que le jaguar, bon, on en... il y a plein de pays où, comme euh, le Brésil où on en voit beaucoup. Euh, le jaguar en fait euh, en Guyane, c'est encore un peu euh, l'ombre de la forêt. On va dire, euh, tout le monde sait qu'il est là, des gens le voient, mais tout le monde ne le dit pas. Euh, 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 le, euh, alors, quand tu dis tout le monde le voit, c'est à dire ceux qui y vivent, mais autrement, c'est pas un animal qui se, qui, qui se voit. quoi. Enfin, on peut pas, moi touriste, arriver et hop, je vais l'observer. C'est ça. Alors, je sais pas si j'ai dit que tout le monde le voyait, alors, si c'est euh, si euh, si euh, si ce que j'ai dit, c'est une erreur. J'ai dit tout le monde sait qu'il est là. Hum. Et tout le monde ne le voit pas. <laughs> Beaucoup de gens le voient, mais ne le disent pas. D'accord. Voilà. Euh, et du coup, ben, le fil conducteur m'amène à, à enquêter et puis à aller rencontrer les gens qui connaissent euh, cet animal, hein, qui l'ont vu, euh, qui en ont peur pour certains. Ça permet de discuter un petit peu de tout ça. Parce ah oui, que parce qu'en qu plus, là, un animal euh, qui est mystérieux comme ça, il doit y avoir même des légendes qui... Euh, qui... Voilà. Qui font peur peut-être justement et, et c'est pas plus mal finalement parce que si c'est un animal qui fait peur ça veut dire qu'on va pas trop aller le chercher ou c'est le contraire ça peut au contraire attiser certaines envies de de chasseurs de trophées bah, c'est ça qui est intéressant du coup c'est qu'on tombe sur plein de versions différentes donc déjà le... ce qu'il faut bien comprendre c'est que la guyane au niveau de la richesse culturelle elle est déjà aussi exceptionnelle vu le nombre de de peuples et d'ethnies qui, qui y vivent. Donc, euh, on peut déjà penser déjà au peuple premier, donc les, les Amérindiens. Il y a déjà plusieurs euh, ethnies euh, amérindiennes. Ensuite, euh, les peuples euh, premiers, second, on va dire. Donc, euh, les, les, les Bouchignanguais, les Créoles. Ensuite, les métropolitains, les Brésiliens. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de monde et euh, beaucoup de cultures différentes. et euh, Mais tout le monde n'a pas la même approche de la biodiversité, déjà, d'une part et tout le monde n'a pas la même le même lien avec le jaguar le jaguar ça reste un animal dangereux pour beaucoup et euh, dangereux euh, dangereux ça veut dire que certains en ont peur et veulent s'en débarrasser et d'autres dangereux le respectent parce qu'il est dangereux mmh. et euh, voilà en fait il y a plein de visions différentes même déjà chez les Amérindiens un peu comme dans certains certaines forêts en métropole euh, où certains vont vouloir euh, se débarrasser des loups ou Des ours pour se protéger ou protéger les, les animaux en oubliant finalement quelque part, parce que bon, après tous les points de vue sont en leur raison d'être, hein, mais, mais c'est vrai que l'être humain a tendance à se dire Ben non, moi je me suis installé là, donc les animaux sauvages, maintenant, euh, c'est oui, ça, hein. ça c'est toujours des, des, des polémiques intéressantes et des discussions intéressantes, hein, que ce soit en métropole ou, ou ailleurs. Euh, moi, je n'entre pas trop dans cette polémique-là. Je vais vraiment chercher des témoignages, et euh, même si j'ai ma, ma, ma façon de penser, ma, mmh. ma, ma vision des choses, mais euh, tu laisses les gens avec ensuite ton reportage photographique faire leur propre avis, quoi. Oui, voilà, j'essaye en tout cas. Euh, mais comme je dis, même si j'ai mes propres avis sur sur plein de choses, oui. mais euh, je ne pense pas être extrême dans. Dans, dans ma démarche, en tout cas, de, de photographe à nature. Ouais. Euh, voilà, je peux comprendre. Est-ce que là, euh... c'est en Guyane aussi, là, cette photo Là, c'est en Guyane, c'est sur euh, la Proague, le fleuve à Proague. Voilà, là, je suis, euh, là, je suis avec, euh, avec les légionnaires du 3e RUI, donc euh, 3e régiment étranger, donc de la Légion étrangère. Et plus particulièrement. À la recherche les... du jaguar, là, cette fois, alors Là, on est à la recherche du Jaguar et surtout, on est aussi dans la prise d'images pour un documentaire et puis pour un livre. Donc, un documentaire euh, de la, la société de production Jugaad, qui est une société belge, qui fait un, un documentaire sur moi. Et, euh, et en même temps, là, je faisais, moi, des, des, mes propres images pour le livre euh, pour lequel on m'a demandé de, de participer, qui est le, le livre des 50 ans de présence du 3e Régiment euh, étranger en Guyane. Donc, en fait, c'était... Euh, c'était euh, un double travail. Je suis en train de regarder parce que c'est mon chat qui veut monter sur la table. Oui, il peut, il a le droit. Hein <laughs> je vais faire un copier-coller de ton site et je vais le mettre ici tout de suite en commentaire. Comme ça, euh, les gens qui sont intéressés auront juste à cliquer euh, dessus. Euh, parce que c'est vrai que tu as des photos extraordinaires. On peut donc les acheter en livre, puisque tu, tu as des livres, mais on peut les acheter aussi euh, une photo, c'est-à-dire si j'ai une photo qui m'intéresse, je peux aussi la commander. Oui, ça fait partie de mon métier. Hein, du coup, de, de, je suis auteur, donc de vendre des, des tirages numérotés, signés avec certificat d'authenticité, Les tirages d'art, on, on appelle ça comme ça. Après, l'art, c'est la vision qu'on en fait, mais voilà, ça s'appelle comme ça en tout cas. Et euh, voilà, c'est une de mes façons de, de, de gagner ma vie en tant que photographe c'est euh, les livres. C'est euh, la vente Donc, fico. une photo de toi, par exemple, alors j'imagine qu'il y a toutes sortes de prix, bien sûr, mais est-ce que tu peux nous donner un, euh, comment, un éventail, justement, de prix à partir de, de combien on peut avoir le bonheur d'avoir une photographie de Grégory Paul C'est Alors, oui, je peux donner une fourchette, mais en fait, c'est un peu vaste aussi, parce que euh, on va dire un tirage d'art encadré. Euh, numéroté, signé, voilà ça va maintenant entre, entre 450 et 3000 euros. <laughs> euh, et puis après, ça va dépendre de la taille du, de, la de la photo aussi, j'imagine Ça dépend de la taille, ça dépend du support, euh, ça dépend de la, de la qualité du papier, de l'encadrement, de, de la rareté de l'image aussi. Et puis après, comment je parlais de numérotation, bah quand on arrive à, Si c'est une, une série numérotée à 30... Euh, c'est souvent euh, un tarif euh, moins élevé qu'une série euh, numérotée à, à 8 ou à 2. Mmh. voilà il y a, donc il y a la rareté aussi euh, qui, oui, qui entre en jeu normal et euh, ensuite normal. si si on n'a pas du tout le budget tu les vends par exemple en affiche ou en calendrier alors sur les sur euh, mes expositions euh, je les vends pas en, autrement en fait donc euh, tous les lieux où j'expose en festival c'est quand même assez euh, assez euh, régulier hein. j'ai euh, en moyenne j'ai euh, une à deux expositions par mois. Donc euh, là, je vends des petits tirages, euh, voilà, qui ne sont, euh, sont pas des tirages d'art, mais qui sont qui sont de, de qualité avec passe-partout, ouais. etc., qui sont en général à 30 euros et euh, qui permettent d'être. Euh, ça, ça permet de, de faire des beaux encadrements. Voilà. Et tu es contente d'ailleurs de l'exposition que tu as faite au, au jardin du Luxembourg à Paris l'été dernier Oui, c'était bien. Oui, oui, en plus, ouais. bah, j'exposais exposé avec trois amis photographes. On était quatre, donc. Était oui. Chaud, hein. ouais, ouais. avait plusieurs. Ouais, ouais. Voilà, j'avais déjà exposé. Euh, en 2016, tout seul, c'était sympa aussi. Ouais. Vous avez eu chaud, hein, je crois, hein, tous les artistes qui étaient dans l'orangerie. il faisait chaud puis c'était poussiéreux. Oui. <laughs> mais non, mais, mais c'était sympa. Hein, ouais. ouais. C'était sympa. Ouais, ben ça c'est euh, voilà, ça c'est euh, toutes les photos hein, que je montre hein, ce soir sont, sont de Grégory. Donc euh, évidemment, on a parlé de, de tes voyages en outre-mer, du. du du fait que tu es en train de préparer un livre sur la Guyane, des livres qui sont déjà sortis sur Saint-Pierre et Miquelon. Euh, tu as d'autres projets comme ça dans, dans le tiroir Oui, j'en ai beaucoup. Puis euh, pour les livres, il n'y a pas que Saint-Pierre et Miquelon. Là, entre autres, l'image que tu viens de montrer, c'est le livre Savannah. Donc euh, là, c'est sur la, euh, les voyages au Botswana et au Kenya. Mm -hmm. euh, J'ai cru voir passer tout à l'heure euh, une photo de, de voilier. C'est un autre livre qui s'appelle Sillage de l'étoile sur les mm -hmm. goélettes de la marine nationale. Ah oui, ça, euh... c'était sur… Euh, alors, où est-ce que je l'ai trouvé Je crois que c'était sur ton site que j'avais trouvé celle-là. Oui, c'est ça, c'était sur ton site. C'est enfin, pour dire qu'en fait, c'est des thèmes ouais. parfois différents, même si, euh, mm -hmm. si c'est la nature qui m'intéresse. Mais il euh, y a un livre sur le Sénégal aussi. Et fait, ouais, euh, elle est magnifique, voilà. cette photo de paresseux. Oui, alors ça, c'est amusant parce que c'est un arbre assez connu euh, euh, à Kourou. Et euh, à chaque fois que j'allais euh, euh, voir cet arbre, Soit il n'y avait pas de paresseux dedans, enfin il est connu, cet arbre est connu parce que les paresseux vont dedans, hein, c'est ce que je veux dire. Et, euh, et soit euh, il pleuvait, et ils étaient en boule, et là en fait euh, ben, le soleil venait, ah là, il... du coup il commençait oui. à sécher. Il y en avait trois, il y en avait trois dans l'arbre alors que pendant une semaine il n'y en avait aucun. Ouais, ça c'est... Euh... Toujours là et ici, ça c'est où Alors là on est euh, pas très loin de la proague aussi, donc c'est en Guyane. Hein. Euh, on est en train de, de remonter un canal. Enfin, on a descendu euh, la Proague pour prendre un, un canal qui est très sauvage, mais euh, qui fait d'ailleurs un peu comme une allée couverte, c'est très intéressant, et qui mène aux marais de Caux, donc qui mène, qui mène à, à, aux savanes inondées de, des marais de Caux. Et euh, bah, tout au long de ce canal, il y a beaucoup d'arbres. Et là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la photo de gauche, bah, il, est sur, il est sur une rive, et l'autre arbre est sur l'autre rive. D'accord, en fait, ah, euh, euh, vous vous euh, passez entre les, entre, dessous, quoi, entre les deux rives. C'est ça, c'est ça. Et là, en fait, il passe d'une rive à l'autre en, en, en sautant, quoi, en changeant d'arme. Excellent. Un singe capucin. Tu hein. sais, tout à l'heure, tu parlais de gens qui étaient peut-être chasseurs de trophées. Est-ce que tu. Peut-être que tu le fais déjà, mais est-ce que euh, le fait de chasser ces trophées, mais en photographie avec des, 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 des touristes qui Sont avides de, de, de trophées, de les emmener par exemple sur le terrain de la photographie parce que parce qu'ils peuvent avoir des, des photos uniques d'animaux uniques, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou que tu fais déjà ou que tu voilà. Parce que, bah, parce que ça, c'est possible, ça, tu vois. Pour se dire, ben bah non, ben bah vous, vous rêvez de trophées au lieu de les tuer, voilà, vous pouvez les photos faut... un peu comme les pêcheurs qui. qui... Qui pêche le magnifique poisson et qui c'était juste pour la photo et ensuite qu'il le relâche dans, dans la rivière. Oui, bah alors ça c'est pour le, 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 le safari photo, hein, ça existe depuis longtemps. Oui, oui mais <laughs> alors, tu euh, vois, euh, est-ce ouais. qu'il n'y aurait pas intérêt de, de, de faire quelque chose encore plus, d'aller plus là-dedans Parce que c'est quand même pas possible encore qu'aujourd'hui il y ait des gens qui aient envie de tuer des animaux juste pour, euh, pour l'avoir en trophée, tu vois oui oui non mais je, je comprends bien oui mais c'est ce que je fais hein. j'encadre des, des voyages au Kenya au Botswana par exemple ah, euh, bien. là on fait de la photo euh, d'ailleurs euh, il n'y a pas très longtemps je parlais de je disais euh, bah, tiens je vais en safari j'encadre des safaris la personne m'a repris des safaris euh, de la chasse ou euh, de la photo en fait c'est devenu tellement naturel pour moi de parler de safari photo que j'avais euh, j'oubliais même ce terme de, de safari de chasse mais euh, il euh, y a plein de gens qui, qui euh, plein de photographes qui, euh, qui font ça et puis euh, même on parle de l'Himalaya avec la panthère des neiges là où bon, c'est un peu beaucoup de gens la, la photographie actuellement mmh. euh, voilà essayer de, de faire comprendre à, à plein de gens que euh, amener un petit peu de tourisme choisi bah en fait une panthère comme un jaguar en Guyane euh, peut leur rapporter finalement plus d'argent euh, vivant euh, que, que mort. Oui. C'est un peu la poule aux œufs d'or, au final. Il ouais. euh, y a la poule qui apporte un œuf d'or euh, tous les jours. Mm. Et puis, euh, bah, tuer la poule une fois, ça, bah, on va gagner euh, de l'argent, mais après, elle ne nous rapportera plus rien. Ça. Donc, ça, il euh, y a beaucoup de gens, hein, y a beaucoup de photographes hein, qui, qui le font. Et, euh... et puis, et c'est même... aussi de le dire, oui, sur la population locale, parce que on sait, par exemple, en Afrique... Euh, que les gens vont, vont faire du braconnage parce que voilà ils ont besoin de vivre et on leur propose de l'argent donc ils vont le faire mais effectivement euh, quand ils ont ensuite conscience que c'est ils sont en train de détruire quelque chose que voilà c'est fini après une fois qu'il n'y en aura plus il n'y en aura plus euh, ils ouais. passent à une autre démarche mais sur le sur le moment euh, ben, voilà mais c'est vrai que c'est c'est pas un, ça doit est-ce que toi, quand tu pars comme ça en Safari Photo, quand tu pars en, sur, euh, sur une mission photo, il y a des moments où ça te prend un petit peu euh, au niveau émotion plus que d'autres euh, tu, tu vois Est-ce que, est que tu vis ces moments-là la, la, la rencontre avec l'animal ou, euh, ou l'opposition oui, avec De dire, euh, de dire, de dire c'est pas possible, mais qu'est-ce que je peux faire pour 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 encore plus préserver pour, pour que est-ce qu'il y a des moments où tu, tu te sens un peu impuissant c'est plutôt ça la question c'est souvent c'est souvent que je me sens impuissant parce que il euh, a pas besoin de, de faire faire ça en voyage mais quand si on parle de France métropolitaine déjà euh, on parle beaucoup du renard c'est un symbole euh, mm. euh, voilà qui est beaucoup chassé euh, on s'aperçoit de plus en plus enfin il y a plein d'endroits où on sait que en ça fait ça sert à ne chasser mais euh, Comment expliquer, sensibiliser, sensibiliser certaines personnes à, à la destruction d'un animal, alors que ces gens-là, en fait, ils ont autre chose pour l'instant à penser. Il y a, il y a le, toujours le côté humain, le côté démographique, il y a des gens qui sont dans le besoin, des gens qui ont besoin de vivre. Et, et, et tout ça, actuellement, ce n'est pas leur priorité actuelle. Donc, euh, et ça, c'est difficile, parce que parler de, de ces problématiques... Euh, Souvent, s'en emparer d'une façon un peu prioritaire, c'est euh, ce qu'on nous reproche aussi euh, parfois. Donc on va nous parler de bobo écolo, voilà. Oui. Parce que, <laughs> mais euh, c'est le cas aussi. Hein, attention. Oui oui. Euh, mais mais n'est euh, euh, c'est pas parce qu'on s'intéresse à, à la nature qu'on est forcément un bobo écolo. Oui. Mais euh, voilà. Donc on, là je parlais de la France métropolitaine, mais c'est pareil. On parle de, si on parle de Guyane. Il y a des gens qui chassent parce que c'est leur moyen de, de subsistance, ah, c'est tout subsistance, simplement ça. Oui, euh, ça. Euh, je suis allé rencontrer pas mal de, de, de personnes issues des peuples premiers, donc euh, des Amérindiens. Euh, leur façon de, de faire ne me paraît pas aberrante, c'est-à-dire oui. qu'ils bah, prélèvent, ils chassent euh, au, au départ, en tout cas, euh, ils chassent ce qu'ils ont besoin pour manger. Bon après, maintenant le, le côté mercantile est arrivé aussi, donc certains mmh. se sont dit, bah tiens. Il y a des animaux euh, qu'on n'a plus le droit de, de chasser euh, en Guyane. Euh, mais par contre, si je le chasse et que je le vends à quelqu'un, euh, peut-être que je vais gagner de l'argent. Donc il y a tout ça. C'est toujours, euh, toujours une, une problématique. Euh, euh, c'est l'offre-la-demande, en fait. Oui, bah oui, oui, voilà. Alors euh, oui, on, moi, je respecte le, le côté euh, traditionnel où, euh, où euh, bah, on mange un, un paresseux euh, de temps en temps mmh. parce que c'est comme ça qu'on vit et puis que bah, nous. Euh, euh, notre façon de, de subsister, c'est la chasse, euh, les, les abattis donc euh, cultivés. Mm. Et, et voilà, mais tout le monde ne peut pas le faire. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que si on autorise ça à tout le monde, c'est difficile. Mm. Donc euh, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliqué. Je, je, je rigole à, à, au fond de moi parce que j'ai fait une interview il n'y a pas très longtemps et on m'a posé la question euh, euh, et tu, tu es pour ou contre la chasse C'était la question. Et j'ai rigolé parce que je dis que c'est un peu binaire comme question en fait. Mmh. Mais que, euh, tu sais bien que les journalistes pour... parfois aiment bien justement oui. euh, poser. Ouais. Euh, je suis pour euh, la chasse des Amérindiens en Guyane par exemple. Oui. Parce que c'est où, où des fois il euh, y a beaucoup de gens aussi qui, euh, qui ont tendance à oublier que la pêche c'est une forme de chasse. Hein. On prélève un animal vivant pour le manger. Euh, bon, on parle maintenant de no kill. Donc, euh, on prend un poisson. Alors, attention, je dis ça, moi, je, je faisais de la pêche sous-marine. Hein, euh, mm. Donc, euh, moi, j'aimais ça, hein, ramener du crabe, pêcher du poisson et en manger. Bah, moi, j'ai fait une pêche à pied hier. J'ai fait de la pêche au couteau. Donc, ben, voilà. j'adore faire euh, ça. Ouais. Donc, je, suis, je ne suis pas du tout vegan ouais. euh, Je fais attention à ce que je mange. Je suis plutôt flexitarien, comme on dit maintenant. Ouais. Mais euh, voilà, donc, j'ai pas forcément d'a priori sur, sur ça. Mais par exemple, le no-kill… Euh, c'est un poisson, donc en fait on l'attrape avec un hameçon, on lui abîme un petit peu la bouche, on le remet dans l'eau. Mais mmh. il faut imaginer que faire ça avec un mammifère, ça serait la même chose, mais on se rend pas compte en fait. C'est-à-dire mmh. que bah, tiens hop, un renard, hop, je l'attrape, je avec un crochet dans la gueule, mais oui. pas de souci, de toute façon, je l'enlève et, oui. et puis repart. Et puis c'est un sketch, je sais plus qui, ça, qui disait ça, je crois que c'est Jérémy Ferrari. Bah, super, je repars avec la gueule défoncée. <rire> <rire> mais euh, oui. bon, oui, oui, je comprends tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a des fois, on se dit, ben non, c'est d'un ridicule, c'est pas possible. Quoi. Ouais. Non, mais après, après, chacun a sa passion aussi. Après, ouais. euh, voilà, ce que je dis, je ne juge pas, je juge pas ça parce que je faisais de la pêche sous-marine. Mais euh, voilà. Pour bon, moi, je n'ai pas relâché les couteaux. Hein. <laughs> non, bah ben non, mais moi j'aime bien manger aussi. <laughs> Ils ont fini à la casserole. <laughs> ouais. Non, mais de non, mais, toute façon, oui, c'est là, c'est vrai que c'est très polémique, ce genre de choses, parce que... Euh, j'ai des gens autour de moi c'est de la famille des amis euh, qui peuvent être euh, véganes ou végétariens ou, euh, ou alors il y a plein de noms euh, maintenant euh, des fois on s'y perd un petit peu euh, mais chacun de son point de vue finalement a raison hein, en, en, quand on entend leur point de vue on se dit bah oui et puis on entend le point de vue de l'autre bah oui et en fait euh, en même temps on est dans une dans un monde où euh, on peut pas ressembler à tout le monde il y a chacun qui va alors on voit, ch chacun voit Midi à sa porte aussi. Donc, moi, je, je suis sûre que j'ai raison de mon point de vue. Et puis, l'autre, de son côté, il est sûr ou elle est sûre de son point de vue. Et puis, finalement, ce qui est important, c'est de se dire à quel moment et où on se rejoint. Et, et tant qu'on le fait euh, dans, dans, dans la bienveillance, j'ai envie de dire, euh, ben ça va. Mais c'est après, ce qui est le, le problème d'aujourd'hui, c'est l'industrialisation, c'est la. Mondialisation qui fait qu'on va aller euh, élever euh, euh, des animaux dans des conditions euh, extrêmes, euh, difficiles, euh, qui sont innommables, et que nous, on peut, en tant qu'être humain, aussi se dire ben, Non, ça, je le veux plus, même si je ne suis pas végétarien, je peux décider effectivement de faire différemment. Mais ça, c'est encore toute une école, hein, c'est toute une démarche. Donc, toi, j'imagine que. Dans ta démarche de photographe, tu dois aussi rencontrer des gens qui peuvent un petit peu t'envoyer des petits pics, te dire bon, comment il va réagir sur tel sujet ou tel autre. Mais ce n'est pas, pas ton débat, toi, de toute façon. Non, ce n'est pas mon débat en public. Maintenant, quand je suis avec des copains, on en discute, il hein, n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Mais euh, et on se branche bien. Mais non, effectivement, euh, beaucoup, de, beaucoup de gens pensent que parce qu'un photographe euh, fait des photos d'animaux, euh, il est, euh, est végétarien ou végétarien ou végan. Il euh, y en a, bien sûr, il y en a. Et puis, je leur tire mon chapeau parce que c'est pas facile. Mais, euh, mais non, on ne l'est pas tous. Et, euh, et, et voilà. Mais euh, effectivement, c'est pas forcément lié à, à la photographie. C'est plus lié à une façon de vivre. Oui. Et la, la photographie peut être une façon de vivre, mais… Je ne sais pas voilà. si tu as vu le film documentaire la semaine dernière à Quimper. Euh, il y a eu un, un festival de films documentaires. Euh, alors, c'était quoi le nom de ce festival En fait, c'est pour... Euh, Dire aux gens, voilà, il y a des choses, il faut faire des choses pour la planète. Et même si on a l'impression qu'il n'y a rien, que rien n'est fait, que rien ne change, il y a quand même beaucoup de choses qui sont. Donc ça reste très positif, hein, même si on montre aussi des choses qui ne fonctionnent pas. Et dans le, la programmation des films, il y en avait un qui s'appelait euh, Régénération. Ça, je ne sais pas si ça te parle. C'est un film ouais. américain. C'est un c'est un acteur très connu qui, qui fait la voix et de temps en temps on voit quelques, quelques acteurs aussi qui interviennent dans le, dans le film et c'est pour expliquer l'importance de la terre de, 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 de prendre soin de la terre parce que tout commence avec la terre c'est que si avec la terre on, on, on l'appauvrit par des, des par exemple de l'industrialisation au niveau euh, agriculture, et eh bien, on va perdre tous les insectes, tous les, les vers qui sont dans la terre, toute tout, tout cette euh, euh, micro-vie, euh, enfin, micro et macro, d'ailleurs, parce que des fois, c'est des, des gros insectes, mais, mais c'est se dire, voilà, il y a une terre qui, est, si on l'a rendue pauvre, en fait, il y a des moyens de la rendre riche en prenant soin de la terre, parce qu'en prenant soin de la terre, on aura ces êtres vivants dans la terre qui vont qui vont la nourrir, ça va nourrir ben, nos légumes éventuellement et euh, nos animaux euh, aussi et donc forcément nous on se nourrit de ça et automatiquement c'est quelque chose mais il y a tu vois il y a une notion derrière de dans la régénération de, de prendre soin c'est je ouais, prends ouais. soin de la terre et je, en même temps je prends soin des insectes des animaux et je prends soin de moi c'était vraiment euh, un très très beau film euh, documentaire. Il y en avait un autre, par exemple, de Marie-Monique Robin qui euh, s'appelle la, Fabri la, la fabrique des pandémies. Et, euh, et là aussi, tu parlais tout à l'heure euh, de destruction de l'habitat naturel de, de beaucoup d'animaux. Ben, dans la pandémie, euh, le fait d'avoir détruit des habitats naturels fait que, euh, notamment, elle donne l'exemple dans, dans son documentaire, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, mais de la chauve-souris. La chauve-souris, elle est pleine de virus, enfin c'est pas virus de, de, de maladie mais okay. ils sont là tranquilles tant qu'elle est dans son environnement tranquille. Mais dès lors qu'on la stresse et qu'on en on abat son, son environnement, bah, qu'est-ce qu'elle fait Elle va aller un petit, dans un endroit qui où normalement elle va pas. Donc elle va se rapprocher de l'homme, elle va se rapprocher euh, notamment euh, de, de, de cochons qui euh, qui sont là et avec ces déjections, bah, les cochons, bah, eux, ils vont être contaminés et comme nous, on est proche des cochons et en plus on les mange, automatiquement l'homme est contaminé. Et en fait, on voit qu'il y, y a rien quoi qui peut se faire sans les animaux. Il faut qu'il y ait vraiment cette, cette synergie et cette, cette implication de, c'est pas juste l'être humain sur Terre, mais c'est l'être humain avec les insectes et les animaux et la Terre. Et, et c'est juste magnifique. Donc euh, bah, je, je, tu as envie de terminer justement sur euh, quelque chose là-dessus si tu avais un message à donner aux jeunes générations ou même à la d'autres à la et, et aux autres. Oui non alors là, effectivement là, ce, que, ce que tu dis, c'est ça c'est que pour, euh, il, faut, il faut connaître les choses pour que, pour, euh, pour que ça se passe le mieux possible. c'est à dire que déjà si, si, on, si on ne connaît pas si on ne sait pas, euh, ce qu'on a autour de nous, comment peut-on faire en sorte de protéger ou de faire en sorte de bien vivre avec. Ça, c'est difficile. Donc, euh, il faut être curieux, euh, il faut s'informer, se former et surtout aller chercher plusieurs sources d'informations et, euh, et essayer d'avoir les points de vue différents de, de chaque personne. Il y a souvent un fond de vérité dans chaque discours, même des discours qui peuvent être opposés. Et puis, bah sinon oui. Pour pour finir, on parle beaucoup d'écologie, de d'énergie euh, de, de, propre, etc. Mais euh, l'important, c'est surtout euh, ce qu'on en fait. Alors, je crois que c'est Aurélien Barrault qui a dit que, bah, en fait, euh, on peut très bien euh, détruire, euh, déforester toute la forêt amazonienne avec un bulldozer à l'énergie solaire. Il est donc, brillant, euh, hein. Est... Ouais. Voilà, donc. Euh, euh, c'est à nous de choisir en fait, euh, de choisir les, les bonnes choses pour que, pour que les, les pour que tout aille le mieux possible. Alors euh, bon, c'est pas forcément très bien engagé hein, pour l'instant, <laughs> mais euh, mais voilà. Après, euh, c'est aux puissants. Il n'y a que les puissants qui peuvent faire quelque chose. C'est les les politiques, c'est grande échelle, oui. C'est les, les riches. C'est c'est euh, quand je parle des riches, c'est les, les les riches d'entreprise. Je veux dire. Oui. Euh, c'est ces gens là en fait qui peuvent changer les choses on nous demande beaucoup euh, à nous euh, individus euh, oui de faire le tri de la poubelle de, euh, de, de, de limiter euh, notre impact de carbone en, en faisant du covoiturage oui d'accord mais il y a des gens qui polluent beaucoup plus que nous et qui ont les moyens de polluer moins donc c'est plus ça que je pense qui est, qui est important euh, mais d'un autre côté c'est toujours polémique on va dire que ces gens là qui polluent ben, en fait, ils offrent du travail à, à beaucoup de gens euh, qui en ont besoin. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver un, un juste milieu. Alors, je n'ai pas forcément de message. J'étais. Euh, et encore pas très longtemps, j'étais encore plein d'espoir. Alors, j'en ai, ai, ai un peu moins. Hein, voilà. ah, ah bon Ouais, un petit peu moins. J'ai l'impression que tout pourrait aller mieux, mais, euh, mais je n'ai pas l'impression que, que en, en tout cas, sur la planète. Ça soit la priorité de beaucoup de personnes. Il y a des conflits, il y a des guerres. Euh, donc, je pense qu'actuellement, la vie de l'ours polaire ou du renard en France métropolitaine, en Ukraine, ils n'en ont rien à faire. Mmh. <laughs> ou au Soudan. Et euh, donc, je pense que voilà, pour l'instant, c'est encore compliqué. C est, c est... Eh ben, je t'invite à regarder, à retrouver ce, ce documentaire Régénération. Là, parce que justement, euh, il y a une sociologue, je crois, qui, qui dit à un moment. Que tout ce qui est guerre, euh, euh, conflits sociaux, etc. ça vient de la pauvreté. Et quand on s'attaque à ce problème et qu'on prend ce problème à bras le corps et qu'on fait des choses euh, de façon politique ou, euh, ou, ou euh, citoyenne, hein, quand on, on s'occupe de ce problème, eh bien les problèmes de, 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 de guerre qui pourraient y avoir se règlent euh, presque automatiquement. Tu vois, es, les conflits disparaissent quand les gens sortent de la pauvreté. Et souvent, quand les gens euh, sont dans des situations très compliquées, ça attise justement euh, bah, plein, plein, plein de peurs, plein de, 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 de choses très, très violentes. Et, euh, et on en arrive à des situations qu'on connaît euh, aujourd'hui. Et, et, et c'est bien parce qu'on voit justement toutes les implications, tout le volet. Ce n'est pas juste, tiens, voilà, il faut faire quelque chose pour la planète et comme tu dis souvent on, on essaie de nous culpabiliser nous euh, citoyens à notre échelle alors qu'à côté il peut y avoir une usine qui, euh, qui déforeste à, à, en veux-tu en voilà des kilomètres carrés alors que nous on va peut-être euh, voilà c'est pas la même échelle donc euh, et, et pourtant on va culpabiliser le citoyen mais en même temps il y a tellement de choses qui sont qui entrent en compte donc ce, ce documentaire écoute si tu le trouves euh, il est vraiment super. Il est bien sûr euh, sous-titré pour la, pour la France puisque tout est en, en anglais, mais il est vraiment vraiment intéressant. Et ce qui a d'intéressant, c'est que c'est pas juste montrer les problèmes. C'est aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses. Et euh, moi, je, suis, je, je reste optimiste. Hein. J'ai de l'espoir. Si toi t'en as pas, je, je t'en donne. <laughs> mais c'est important. Ben, c'est important. Il y a des fois, je suis optimiste. Ouais. Euh, quand même, la plupart du temps. Euh, ben alors, euh, mais, mais, <laughs> euh, non mais c'est vrai mais, euh, mais des fois on est, on est souvent un peu déçu et, euh, oui. et on se dit bon à quoi bon... des fois c'est presque ça oui. c'est bon, à quoi, quoi bon bah bon. ouais. mmh. bon. eh ben, écoute en tout cas merci mille fois Grégory euh, donc je rappelle que Grégory Paul photographe voyageur était notre invité et on l'a invité donc, euh, dans... quand les îles se rencontrent cette émission où on donne la parole aux ultramarins parce que justement il a tellement de, d'implications de, de, dans les Outre-mer, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, euh, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, c'est pour quand euh, les, la Guyane ouais. Et c'est pour quand le, 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 les prochains albums plutôt dans le Pacifique euh, Pas pour tout de suite, hein, parce que là, pour l'instant, je suis sur euh, euh, la Guyane et Mayotte, donc euh, l'océan Indien. Voilà, pour l'instant. Donc, le Pacifique, on verra peut-être. Euh, voilà, chaque chose en son temps, comme on dit. Bon. <laughs> et, euh, et voilà, parce qu'il y a aussi un livre qui va sortir sur les Kerguelen. Donc, euh, oui, euh, ouais. voilà, il y, y a quand même pas mal de choses. Il y a des choses qui sont faites déjà, mais euh, qu'on attend. Là, là c'est l'éditeur qui attend au fur et à mesure aussi, oui. parce que là, il y a le côté aussi économique et, oui. euh, et, et mercantile, hein, parce qu'un livre aussi, c'est fait aussi pour être vendu. Oui. Donc, euh, si l'éditeur, bah, il n'en vend pas, bah, il en fait pas, c'est tout. Oui. Donc, euh, voilà, et ça a des Vous avez compris, allez euh, acheter les livres de Grégory, comme ça, il pourra faire d'autres albums, d'autres Outre-mer. Merci, merci, et puis euh, à bientôt. Merci, merci Lénaïque, et puis à bientôt, effectivement. <laughs> merci, au revoir.